Bonsoir à tous, bienvenue sur notre page. Ici, on va parler de Turquie et de la langue turque. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons les prépositions sur, à, dans. Par exemple, comme on dit au marché, sur la table, à l'école, en classe. Ensuite, nous verrons il y a et il n'y a pas en langue turque. On s'en va plus sur cette vidéo. Comme annoncé, nous verrons les prépositions sur, dans, à, au, en. En turc, ça se dit bulunma durumu. Bulunma durumu. Ensuite, nous verrons il y a et il n'y a pas. En turc, c'est va et yok. Donc, en langue turque, on utilise les prépositions da, de, ta, te, en parenthèse, sur, en, dans, au, à, chez, pour donner la position d'un objet ou d'une personne et répondre à la question nerede, qui veut dire où, kimde, qui veut dire chez qui. La formation repose au principe de l'harmonie des voyelles. Pour les noms qui ont pour dernière voyelle a, e, o, u, on mettra da. Exemple, téléphone nerede, où est le téléphone? Téléphone masada. Le téléphone est sur la table. Basilica nerede, où est la basilique? Basilica Yamsokrota. La basilique est à Yamsokro. En notant bien, nous avons si le nom a pour dernière lettre F, T, K, Ch, Ch, H, P, on mettra ta. C'est la règle des Flustrschar. Ici, cette règle sera beaucoup utilisée et on verra cette règle beaucoup dans la langue turque dans les autres leçons. On aura le temps de mieux expliquer cela. En exemple, nous avons Öğrenciler sınıfta. Les étudiants sont en classe. Comme vous pouvez le constater, la dernière lettre ici du mot, c'est F. Donc, on met ta. Deuxième exemple, Elbiseler dolapta. Les vêtements sont dans le placard. Vous pouvez aussi le constater, dolap se termine par P. Donc, nous avons mis ta. Pour les noms qui ont pour dernière voyelle, E, I, E, U, on mettra des. Exemple. Çocuklar nerede? Où sont les enfants? Çocuklar bahçede. Les enfants sont dans le jardin. Un autre exemple. Kızlar nerede? Où sont les filles? Kızlar kantinde. Les filles sont à la cantine. Un autre exemple encore. Kalem kimde? Chez qui est le stylo? Kalem achede. Le stylo est chez Ayşe. En notant bien, nous avons, comme énoncé précédemment, la règle de Flustrschar. Ici, on mettra T, toujours en respectant l'harmonie des voyelles. N'oubliez pas, c'est très important, toujours en respectant l'harmonie des voyelles. Donc, en exemple, on aura secrétaire, officier. La secrétaire est au bureau. Bilgisayar, Ahmet'te. L'ordinateur est chez Ahmet. On ajoute l'apostrophe avant la préposition tout en tenant compte de l'harmonie des voyelles. On peut ici remonter voir l'exemple de Kalem Achede. Le stylo est chez Achede. Vous voyez bien ici, c'est un nom propre, nom de personne. Achede, on a mis l'apostrophe et on a mis des pour dire que le stylo est chez Achede. Ensuite, nous verrons il y a et il n'y a pas. En langue turque, il y a c'est var, il n'y a pas c'est yok. Var veut tout simplement dire il y a, yok veut tout simplement dire il n'y a pas. En exemple, nous aurons evde televizyon var. Il y a une télévision à la maison. Evde televizyon yok. Il n'y a pas de télévision à la maison. Sokakta arabala var. Il y a des voitures dans la rue. Sokakta araba yok. Il n'y a pas de voiture dans la rue. Odada yatak var. Il y a un lit dans la chambre. Odada yatak yok. Il n'y a pas de lit dans la chambre. Hastanede doktor var.
il y a un médecin à l'hôpital. À Stanede, Dr. York, il n'y a pas de médecin à l'hôpital. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu et que vous avez des prépositions que vous avez retenues. N'oubliez pas de consulter en commentaire. Nous marquerons les affiches que nous avons utilisées pour cette leçon. Ça pourra encore vous aider à mieux comprendre. Aussi, suivez attentivement la prochaine leçon qui viendra. Il y aura une séance d'explication, une séance de lecture pour mieux expliquer et entrer en profondeur de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, pour terminer, Elimde, téléphone va. Il y a un téléphone dans ma main, tout naturellement. Elimde, téléphone York. Il n'y a pas de téléphone dans ma main. Görüşmek üzere. Ciao, ciao.